Comment créer une landing page ou une page de capture grâce à system.io. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit tuto qui fait suite à une vidéo que j'avais faite il y a quelques temps déjà sur les objectifs d'une page de capture et pourquoi vous devriez avoir une page de capture. Je vous remets le lien en description si ça vous intéresse d'aller la voir. Pour commencer, et voilà, il y aura une série de vidéos qui sera dans une playlist page de capture également, si vous voulez voir plus précisément toutes les vidéos sur les pages de capture. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne pour ne rater aucun tuto. Alors, on se retrouve ici sur le tableau de bord system.io. Pour ceux qui ne sont pas inscrits à system.io, je vous invite à vous inscrire. C'est totalement gratuit au premier échelon et vous pouvez déjà faire pas mal de choses avec ce logiciel offert. Vous avez la possibilité de créer des pages de capture, des tunnels de vente, de faire votre emailing, de créer vos blogs, vos formations, vos produits physiques et digitaux, etc. Donc, c'est vraiment un outil formidable. Et si vous inscrivez grâce à mon lien ci-dessous, je vous offre également 4 formations offertes pour vous aider à avancer plus vite, à maîtriser le logiciel et d'autres formations offertes qui pourraient vous intéresser. Donc on commence ici, on est sur notre tableau de bord et donc pour créer une page de capture ou une landing page, vous allez vous rendre dans les tunnels. Donc ici j'ai fait exprès de prendre un nouveau compte totalement parti de zéro pour vous montrer vraiment pas à pas comment on fait. Donc il n'y a aucun tunnel de créer, vous voyez. Donc on va cliquer ici sur créer et puis on va donner un nom à notre page de capture. Donc là moi je vais l'appeler test, mais après à vous de voir effectivement comment vous souhaitez l'appeler. Vous avez la possibilité donc de créer une audience, de vendre directement, de créer un tunnel personnalisé ou de créer un webinaire automatique. Donc là, on va partir sur quelque chose de simple, c'est-à-dire on va créer un tunnel déjà pré-formaté et puis on verra comment créer la prochaine fois un tunnel de page de capture totalement personnalisé. Donc on va créer une audience ici, on va sauvegarder. Donc ici, vous voyez que mon tunnel s'est créé, je vais cliquer dessus et ici on se retrouve bien avec une page de capture et une page de confirmation. Donc ici pour la page de capture, vous avez différents modèles ici que System.io propose déjà en prédéfini. Donc on a la possibilité d'en avoir beaucoup d'autres. Vous voyez, voilà avec les couleurs, les thèmes, etc. Donc il y a déjà énormément de modèles. On va pouvoir voir sur suivant également. Voilà, vous voyez, il y a de quoi faire déjà avec tout ce que vous avez. Jusque là. Alors, si vous ne connaissez pas System.io, je vous fais une petite visite. Voilà, le temps que ça charge un petit peu. En tout cas, voilà, vous avez énormément de modèles prédéfinis, préfaits, voilà, qui vont vous aider à mettre quelque chose en place qui vous correspond. On va revenir donc sur les premières pages. Et puis, par exemple, on va prendre celui-ci. Vous pouvez apercevoir le modèle ici. Si vous cliquez dessus, vous voyez que ça vous ouvre une autre page. Et là, voilà, vous avez exactement le modèle de page que vous souhaitez. Alors, celle-ci est un peu compliquée, donc on ne va pas prendre celle-ci. Celle-ci correspondrait plus à un tunnel de vente vraiment plus complexe. On va essayer de prendre quelque chose de beaucoup plus simple. On va regarder les modèles. Donc là, c'est vraiment effectivement des choses bien compliquées. Donc on va retourner du coup sur peut-être les modèles de départ. Voilà, par exemple, avec une vidéo également. Vous voyez, formation gratuite offerte. Allez, on va partir là-dessus pour l'exemple. Donc, du coup, je vais sélectionner l'exemple et ça va se charger directement. Ici, vous allez pouvoir renommer votre page de capture, en tout cas votre chemin URL ici. Donc moi, je vais le renommer test, mais vous allez le renommer, je ne sais pas, si vous faites une page de capture sur l'affiliation, par exemple, vous allez pouvoir mettre affiliation. Vous pensez à sauvegarder ici,
et vous avez donc votre URL ici. Cette URL là, vous allez le copier ici par exemple, et c'est cette URL que vous allez bien mettre soit sur votre site, soit sur vos réseaux sociaux, pour que les personnes eh bien, puissent s'inscrire directement à votre page de capture. Je rappelle qu'une page de capture, eh bien, c'est pour offrir un service gratuit en échange d'une adresse email. Donc ici, vous allez cliquer sur « Modifier ». Donc voilà ici la présentation de la page de capture. Donc vous pouvez changer le texte ici, bien sûr, écrire autre chose. Également changer le texte ici, changer les polices, changer la taille, changer les couleurs également, juste ici. Vous allez pouvoir intégrer une vidéo si vous en avez une. Donc là, vous avez la possibilité soit d'intégrer à la page ou d'envoyer un fichier, une vidéo qui est sur votre ordinateur, ou du coup de mettre un lien YouTube. Ici, le démarrage automatique, donc c'est non visible, ça ne démarre pas automatiquement, mais par contre, on peut arrêter la vidéo et la relancer, donc c'est plutôt bien de le mettre comme ça. Donc ici, voilà, on a la possibilité de visualiser notre page de capture qui est finie. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Ça vous donne une idée du rendu final. Vous allez pouvoir ici, pourquoi pas, mettre votre logo si vous en avez un. Si vous n'en avez pas, vous supprimez ici. Vous allez pouvoir intégrer vos conditions générales de vente, vos politiques de confidentialité ici. Quand c'est comme ça, vous cliquez là sur, vous surlignez du coup le texte, et vous allez intégrer ici un fichier et vous tapez l'URL de vos conditions générales de vente par exemple, ou de vos politiques de confidentialité. Vous pensez bien à enregistrer une fois que c'est fait juste ici. À chaque modification, vous enregistrez ici. Si on rentre dans les paramètres de la page, vous allez pouvoir eh bien, ajouter une image de fond pardon, pour vos réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez mettre le lien sur vos réseaux sociaux, eh bien, cette image va apparaître. Donc c'est plus sympathique. Ici, pour les moteurs de recherche, si vous souhaitez qu'elle apparaisse sur les moteurs de recherche, vous allez pouvoir eh bien, configurer le SEO, soit faire une petite description, rajouter des mots-clés cohérents avec votre offre. Pourquoi pas mettre votre nom. On va pouvoir rajouter l'image des réseaux sociaux également ici. Et si vous souhaitez qu'elle apparaisse donc sur le moteur de recherche Google, par exemple, vous allez pouvoir décocher cette case, sinon vous la laissez cocher. Ici, vous avez la possibilité donc d'afficher un badge d'affiliation ou de le décocher. Ici, c'est un compte gratuit, donc je n'ai pas la possibilité de l'enlever. Quand vous êtes sur un compte gratuit, vous avez toujours le logo ici qui apparaît. Si vous êtes sur un compte payant, vous avez l'opportunité, enfin en tout cas la possibilité de décocher cette case et ensuite vous enregistrer. Je rappelle au passage que pour toute personne qui prenne un abonnement payant, donc grâce à mon lien affilié chez System.io, bénéficie de 2 heures d'assistance offerte. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé par cette offre. Ici, je reviens ici, vous avez la possibilité de changer la couleur de l'arrière-plan, juste ici. Vous voyez, hop, par exemple. On va le laisser en bleu. Ici, vous avez la possibilité de changer la photo la rangée. Donc, vous voyez, hop, ici, la rangée, et on va être dans la section. La section, ici, il y a une photo en image de fond qui est répétée. On peut, par exemple, donc aller chercher une photo dans vos images, là, sur votre ordinateur, et puis la télécharger et la changer. Si vous avez déjà des images ici, vous les retrouvez ici. Chaque nouvelle image va être enregistrée ici. Donc, vous enregistrez, vous avez possibilité de la mettre en plein fixe, c'est-à-dire qu'elle se déroule 100% largeur et hop, je vais y arriver, 100% largeur et longueur. Donc ça, c'est à vous de voir selon ce que vous souhaitez. Voilà. Ici, vous avez la possibilité également de changer la couleur ici. Ici, si vous souhaitez, le bouton, moi, je le trouve un peu haut. Donc, on va du coup... Eh bien, donc on peut rajouter aussi un champ de formulaire, parce qu'ici il y a juste l'email. On pourrait presque rajouter finalement un champ de formulaire
ici, donc hop, avec le prénom peut-être. Donc je clique dessus et ici sur gauche, eh bien je vais trouver ici prénom. Vous voyez, voilà. On va regarder ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, c'est un peu plus décalé, c'est pas si mal. Là, c'est arrondi, puis là, non. Vous avez la possibilité effectivement d'arrondir donc les boutons ici. Alors, elles sont arrondies de combien? Que je fasse la même chose. Donc, l'arrondissement des décans est de 5. Donc là, on va reprendre celui-ci et on va donc arrondir à 5. Ici, 5, 5 et 5. De la même façon, le bouton cliquer, on descend et on va arrondir les coins. 5, 5, 5 et 5. Ici, vous pouvez mettre par exemple une ombre, juste là, ombre intense par exemple. Et puis on va descendre un peu le bouton parce que je le trouve un peu près. Donc ici, pour descendre le bouton, eh bien vous allez, voilà, augmenter la marge, par exemple comme ceci, on va mettre 25. Donc pour les paramètres, du coup, vous allez ici mettre enregistrer le contact. Voyez comme ça sur votre tableau de bord système IO, eh bien le contact va être enregistré avec son prénom et son adresse mail. On verra tout à l'heure peut-être à voir pour les paramétrages également de la page. Pas de redirection vers une URL personnalisée en mettant une URL ici ou vers l'étape suivante du tunnel. Là, on va mettre vers l'étape suivante du tunnel puisqu'il y a une page de remerciement. On enregistre. On regarde ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus esthétique, entre guillemets. Et donc, voilà votre page de capture qui est prête. Alors, bien sûr, au lieu d'une vidéo, vous pouvez mettre également une image pour que ça apparaisse, hein, les paramètres ici des pages et les différents éléments surtout. Voilà, vous cliquez ici et vous prenez, vous sélectionnez et vous déplacez simplement. Vous voyez ici. Ici, vous avez la possibilité de mettre une image, d'aller chercher l'image que vous souhaitez et de la mettre également ici. Donc, ça peut être une image, une vidéo. Il n'y a pas de souci avec ça. Là, je vais le retirer. On va enregistrer. Je vais sortir et on va s'intéresser maintenant à la page de remerciement. Donc, là, pareil, vous avez tout un tas de possibilités. Que système IO, eh bien, vous permet de faire. Donc, on va sélectionner celle-ci. Ici, vous pouvez la renommer en mettant, par exemple, merci. Sauvegarder. Et on va modifier la page. Et vous avez donc, voilà, la possibilité de changer ici les textes, de changer aussi ici le texte, pardon, du bouton, le texte du bouton qui va allez, voilà, ici vous avez le bouton texte. Vous n'êtes pas obligé de mettre un bouton, hein, bien sûr, si vous ne souhaitez pas rediriger vers quelque chose. Mais vous pouvez rediriger vers une page ou rien du tout, ou télécharger quelque chose, voilà, un cadeau, le cadeau offert ou autre. Et donc, du coup, vous téléchargez vers l'URL correspondante. Donc, notre tunnel, landing page. Page de capture est prêt, il est opérationnel. Ici, vous pouvez voir le tunnel. Voilà, directement. Vous voyez que vous avez bien votre URL ici. Et puis, pour changer les paramètres de la page, vous allez ici et vous allez pouvoir ici choisir dans vos différents noms de domaine, si vous en avez plusieurs, choisir eh bien, le nom de domaine qui correspond à votre page de capture. Ensuite, vous sauvegardez et on est tout bon. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre pour la prochaine vidéo les règles d'automatisation, ajouter des tags et voir un peu, voilà, comment on crée une stratégie emailing également grâce à notre page de capture. Cette page de capture, elle peut être mis donc sur un blog
où les personnes, eh bien, si elles cliquent par exemple sur votre blog, sur votre site internet, avec un bouton ou une image, et vous mettez l'URL de ce tunnel, de cette page de capture, eh bien, ils vont arriver directement ici et vont pouvoir s'inscrire et être enregistrés. Donc on s'occupe des paramètres dans la prochaine vidéo.